Salut tout le monde, c'est Jolat et bienvenue pour la deuxième partie sur Firewatch. Alors oui, j'ai mis un peu de temps à la sortir, mais ça donne ça quand on veut jouer à tout en même temps. Bref, je vous propose la deuxième partie qui a été faite en live. Et comme je sais très bien que tout le monde ne peut pas être là, eh bien je vous fais une petite rediffusion, c'est cool. Alors si vous voulez toujours voir la suite de cette série, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Laissez-moi vos retours dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire la suite. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Eh bien, let's go pour la deuxième partie de Firewatch. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, bah je vous invite à aller voir la première partie, forcément. La dernière fois, on s'était arrêté au début du deuxième jour sur Firewatch. Souvenez-vous, on s'était fait cambrioler notre petite bicoque. Et donc, il y a eu une panne d'électricité dans sa bicoque. Justement, il avait plus de courant. Et il fallait aller relier des fils quelque part. Aller réparer des câbles électriques. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va aller réparer des câbles électriques. Inspecter les lignes de télécommunication au nord du canyon. Ah ouais, voilà, ok. Donc, le canyon... C'est dingue comment j'arrive à mal me repérer. Donc, nous, on va vers l'est. Oui, enfin, on va suivre le chemin. Bien gentiment. Et par contre, putain, je sais pas si je suis sur la bonne route ou quoi. Je dois être sur la bonne route, là. Vous en pensez quoi? Non? Ok, on arrive déjà dans la brume. Oh, il y a une caisse là-bas. On va aller là-bas. C'est parti. Par contre, là-bas, nous avons une caisse. Je pense qu'on va essayer de la récupérer. Yes. Attends, on va y répondre. J'ai vu l'annonce pour ce poste dans ce journal. Bah oui. Vas-y. Allez. Non. J'ai pas eu le temps de répondre. Ok. Ah d'accord. On va pouvoir passer comme ça. Attends, merde, oui, je vais te répondre. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Merde, je peux pas ouvrir pour l'instant. Attends. Pourquoi ils ont fait ça? D'accord. Mais pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la boîte? Ah si, voilà. Le code, c'était 1, 2, 3, 4 pour toutes les boîtes. Ça, on s'en souvient, elle me l'avait dit. Ok. Yes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, je m'en fous. Du papier cul! Ça peut servir. En temps de guerre, mon vieux? Hein? Alors? Ouh, il a l'air moelleux. Hein? Tu as l'air plutôt bon, tout ça. C'est du lotus? Mmh. Très bien. Donc, du coup, y a rien là-dedans. Rien du tout, quoi. Y a absolument rien là-dedans. Allez, dégage. Où est-ce que nous nous dirigeons? J'ai comme l'impression que je suis parti à l'ouest, là. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je fasse demi-tour, là. Ouais, ouais, ouais. C'était là-bas. Ah, je me suis carrément planté de chemin, quoi. Putain, faut que je retourne au camp, en fait. Je me suis complètement planté de route. Ah, attends. À moins que... Attends, je regarde la carte. À moins qu'on peut passer par là. Brume matinale, signaler la brume. Oui, tiens, on va signaler la brume. Hop. Il fait froid ici. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? On va parler de mon bar préféré. Boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it. Yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? Parce que j'ai arrêté de picoler, voilà pourquoi j'y vais plus. Alors, conduite en état d'ivresse. Ouais, bah ouais. On va dire ça. DUI, so. Oh. Yeah, not particularly proud of it. Well, I mean, look, I haven't told anyone this, but I got one too 5 years ago. Yeah? Yeah. God, it was stupid. It was so stupid, but you know, it's late, it's winter, the streets are empty, and you just want to get home. Totally. Oh, so fucking dumb. Hey, okay. Can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Hey, yo. Je vais continuer à marcher en espérant que ça réchauffe. Ouais, bah ouais. Bon, bah on va continuer. Okay, good. Qu'est-ce qu'elle veut que j'y réponde? Tiens, vas-y. Vas-y, on va l'écouter. Allez. Would you? All right. I'll let you know if anything changes in that regard.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire un appel radio là ou elle est au téléphone? Comment ça se passe? Hey, sorry about that. Anyway, I empathize with the DUI thing. Did your ouais, c'est bon. Girlfriend get mad, or je suis sur la bonne voie. Whoever, you said we used to go to the bar. Oh, sorry, I'm the most awkward woman on earth. Oui, elle l'a mal pris, oui. Attends. That would be my wife, Julia. Oh, like your wife or like she's taken half my stuff, wife. Ben oui, c'est ma femme. But you're here. Tout va bien. Everything's fine, just you know, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Ouh, un petit générateur? Qu'est-ce qui se passe ici? On va signaler le générateur. So this generator, it's all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and well, you don't have much in the way of electronics, so. D'accord, très bien. Et mon sèche-cheveux. Ouais. Hair dryer. Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Va falloir que je m'habitue aux bouclettes rebelles. OK, d'accord. Attends, normalement, j'étais dans la bonne direction. Ouais. Et si j'essayais de suivre le chemin tout simplement? Parce que depuis tout à l'heure, je pars un peu en pleine forêt, n'importe où. Ok, je suis revenu à mon espèce d'observatoire là. Et je pense que du coup, on va s'aventurer par ici. Voilà. Générateur, ouais, ok, d'accord. On va essayer de descendre par là. Ah bah oui, je m'en souviens. Oui, 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 la dernière fois on était remonté par ici. On va essayer de descendre. Ouh, oh, c'est chaud de descendre comme ça. Mais ça passe. Oui. C'est un show, Henri. C'est un show de l'escalade. Ah ouais, là-bas, la dernière fois, il y avait une silhouette. Comment qu'il était flippant, il me regardait. Il était juste là. Il était là, comme ça. Et j'étais en bas. Bah tiens, on va descendre par là. Ouh. Je crois qu'on a aussi, du coup, une grotte à visiter. Ça passe? Ouais, ça passe. Attends, je me dirige vers où? Je suis sur la bonne route? Ouais, là je suis sur le bon chemin. Ok. On va essayer d'aller par là, bien gentiment. Attends, on voit pas d'ici s'il y a les lignes téléphoniques ou quoi, quelque part? Non, on voit rien du tout. Bah, y a bien de la brume par là aussi. Ah, voilà! La dernière fois, on était parti dans cette grotte. Du coup, on n'avait pas les clés. D'ailleurs, on n'a toujours pas les clés. Ça a l'air verrouillé. Ouais. Écoute, on va continuer par ici. En tout cas, le jeu, il est super beau. Franchement, ça rend super bien avec la brume et tout, là. Là-dedans... Tiens, prends ça, salopard. Voilà. Ok, un papillon. GG. Attends, je vais voir où c'est que j'en suis. Donc il faut que je me dirige vers l'est. Vers l'ouest. Qu'est-ce que je raconte vers l'est, moi? Il faut que je me dirige vers l'ouest. Donc l'ouest, c'est là-bas. Donc il faut que j'aille là-bas. En fait, de toute façon, nous, il faut qu'on aille au nord du canyon. C'est là-bas qu'il faut qu'on active, qu'on réactive les lignes téléphoniques. Ça doit être par là, normalement. Je pense. Ouh, c'est serré par là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lignes téléphoniques ici ou... Ou comment ça se passe? Non? Écoutez, je vais essayer de trouver cette histoire de ligne téléphonique là, mais je crois qu'en fait... j'ai comme l'impression... que je me suis planté. C'est une impression. Non? Ouais, à mon avis, j'ai dû me planter, les gens, non? Je me suis planté quelque part. Attends. Ah, téléphone line. Ok, d'accord. Téléphone line. Ok. J'ai la téléphone line. Ouais, et effectivement, je me suis planté. C'était... fallait que j'aille tout là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je me suis complètement planté, les gars. Demi-tour. Ah, putain, heureusement que je suis... D'accord, la grotte elle est là-bas. Ouais, du coup faut que je retourne au... Putain, fais chier. Faut que je retourne au machin. Quoi? Ok, d'accord. Wow, j'ai trouvé un passage secret ou comment ça se passe?
Attends, elle est où la ligne téléphonique? Ouais, d'accord. Ok, c'est tout droit. Yes. Tout droit. On va y arriver. Tiens, on va couper. C'est par là. Est-ce que c'est par là? Ouais, c'est par là. Ok. Normalement, je devrais tomber sur... Yes, je la vois, la ligne téléphonique. Je la vois. Elle est là. Donc, devrait y avoir un poteau téléphonique ou la ligne qui serait cassée. Poteau électrique. Tac. Je vois le câble. Ok. Suis-le jusqu'au bout du chemin si tu peux. D'accord. Très bien, donc on va le suivre jusqu'au bout du chemin. Hein. Et en principe, je pense qu'au bout, il doit être cassé du coup. C'est ça? Si je ne m'abuse. Là, c'est les toilettes. Là, il y a un bout de papier. D'accord, examiné. I'm made of two stone. Oui, ouais, d'accord, c'est une musique. I'm taking off for the wood. Dans the place. D'accord, très bien. Pourquoi pas? Donc en fait, ah d'accord, c'est par ici. On va essayer de suivre le chemin. Bearswood, Torfer. Ok, d'accord. On va suivre par là. Putain, par contre, le chemin il m'emmène en bas quoi. Et ça, c'est pas super, super cool. Je vais essayer de suivre le chemin. Normalement, faudrait que je suive là-bas. Mais le problème, c'est comment faire. Étant donné que le jeu, bon, bah, ça reste un monde ouvert. Mais tu peux pas, l'Assassin's Creed, grimper sur les rochers, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le problème. Alors sinon, est-ce que ce serait pas par là qu'il faudrait que je les suive? Tout simplement. Ok, oui, c'est par là. Yes! C'est bon, c'est par là, j'ai trouvé. On va suivre la ligne téléphonique jusqu'au nord. Et yes, 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 c'est par là. Et je pense qu'on devrait arriver au bout d'un moment. Ouais, ouais. On devrait arriver au bout d'un moment à la ligne téléphonique cassée. Vous voyez, ça s'arrête en haut là. On croirait pas un peu le rocher du Roi Lion là-bas? Je délire. Vous connaissez le Roi Lion? Non? Ah, Djoba, Djoba! Jabawé, jabawa, jabawa. Jobim bamba, jobim bamba. C'était censé être la musique du Roi Lion. Vas-y, avance, non? Attends. Oh, Henri, tu rigoles là, t'es pas capable. Non? Sérieux? Bon, bah écoutez. Ouais, c'est un monde ouvert, mais pas. C'est un monde ouvert semi-fermé, on va dire. Ok, là-bas, il y a un. Ouh, c'est quoi ça? Hein? Regardez ça. Putain, Henri, là. Vas-y. Oh, t'es sérieux? Il déconne, Henri, des fois, les gars. Ah ouais, c'est par là, yes. Excellent. Alors, vous avez vu? Je les connais par cœur, les codes, maintenant. Quoi? T'es sérieux? Mais je m'en fous, moi. Je veux pas des pommes de pin. Oh, un bouquin. Richard Sturgeon, Six Feet Down Under. Pourquoi pas? Oui, il est pas mal. Ouais. Bon, bah, y a rien là-dedans. Dev. Ok, d'accord. Très bien. Dev, yo, got tech. Ok, d'accord. Et bah, tu passeras le bonjour à Dev. Oh, c'est quoi ça va? Putain. Y a rien, franchement. Des fois, t'as des boîtes carrément. Les boîtes, elles te trollent, quoi. Elles sont vides. Enfin, elles sont vides. Elles sont pleines de conneries. Faut toujours que j'aille vers le nord. Donc il faut que j'aille vers par là. Oh, je pense que c'est là-bas. On va essayer de monter par là. Je suis pas sûr de mon coup. Je pense que plus qu'il faut aller sur le rocher du Roi Lion là-bas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va aller là-bas. Allez Henri, au galop. Oh, des canettes. Intéressant. C'est de la blonde, de la brune. Très bien. Faut que je goûte un peu. Allez, dégage de là. Je vais signaler ça. Mais non, mais arrête là. Voilà. Hey, so there are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch of squatters yesterday. Coincidence maybe. I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Pourquoi elles sont montées là-haut d'après toi? Ouais. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Ouais, bon bah je crois que du coup elles ont pété la ligne téléphonique. On va signaler ça. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out. Je vais pouvoir envoyer quelqu'un le réparer. Ok, d'accord. Très bien. Apparemment, c'est pas à cause du vent. On dirait qu'il a été coupé exprès. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die?
C'est peut-être pas eux. What do you want to do? I want you to go find them. Je veux que tu les retrouves. Et après, bah ouais. I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. C'est quoi ça? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them. Je crois que j'aimerais que tu les retrouves et que tu leur colles une trouille bleue. Yeah, I'd make a strange costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Ok. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Ok, du coup, va falloir qu'on retourne à notre poste d'observation. Et qu'on retrouve les deux filles qui étaient au lac apparemment. Parce qu'en fait, ils croient que c'est eux qui ont coupé les lignes téléphoniques. Les jeunes qui étaient au lac au début. Ceux que j'ai arrêtés pour le feu d'artifice. Ok, du coup, va falloir que je retourne à mon poste d'observatoire. Direction le sud. Donc, c'est-à-dire direction par là. Ouh, ça passe. Ça passe, en courant en plus. Oh tiens, c'est quoi ça? Je viens de trouver un sac abandonné. Il a l'air d'être là depuis un petit bout de temps, ouais. Ouais, s'il y a des provisions, ouais. Donner un coup dedans. Yes! Il y a quoi là-dedans? Alors? Oh! Un appareil photo! GG! Heureusement que c'était pas un flingue, ça aurait fait la même chose. Yes, on a un max de cordes. Un appareil photo jetable en carton, ouais. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Ok. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Attends, t'es sérieux là? Henri là, tu déconnes? S'il te plaît. C'est pour utiliser l'appareil photo jetable. Ouh, regardez. Il y aurait pas un départ d'incendie là-bas? Je vais pas tout prendre et... Je vais pas prendre n'importe quoi en photo. Henri, Henri, s'il te plaît, là. Putain, j'ai même pas lu ce qu'elle m'a raconté. Tâche de rien prendre en photo, j'ai déjà pris une photo, moi. Normal. Ok. Putain, Henri, il déconne quoi? Sérieux, Henri, t'es pas capable de descendre ça? Attends, je veux bien que t'en aies pas dans les jambes. Regardez, il est capable d'escalader ça, il est pas capable de descendre ça là-bas. Tu rigoles ou quoi? Oh, Henri là. Henriette, mon vieux. On va l'appeler comme ça. Henriette. Henriette le fragile. T'es sérieux ou quoi? Attends. Du coup, faut que je retourne vers le sud, moi. Regarde ça, quoi. Même moi, je le descends en rouleur, ça. T'es malade ou quoi? Oh! Fais quelque chose, Henri, là. Vas-y, descends, là. Ça pleut? Ah! Putain, j'avais pas vu! Bah, fallait le dire, Henri! Tu dis rien aussi! Oh, attends, t'es sérieux? T'as besoin d'une corde pour descendre là, quoi? Arrête tes conneries, mon vieux. Putain, quel fragile, ce Henri! Putain, ça a l'air beaucoup plus haut quand tu regardes en bas que quand tu regardes en haut. C'est bizarre, quand même. Bon, écoutez, on va se diriger gentiment. Déjà, on va signaler ça. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Soit c'est un départ de feu, soit un feu de camp. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. Au sud-ouest de ma position. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Bon, je pense qu'on va aller voir du coup.
Let me know if it's getting any larger. Will do. Oui, donc du coup, il croit que c'est les deux filles du début du lac qui ont coupé les lignes téléphoniques. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il y a plutôt un rapport avec la silhouette qu'on a vue dans la première partie. Ouah, comment que c'est déserté ici? C'est déforesté, quoi. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't. Ah, ok, d'accord. Ouais, je connaissais pas non plus, tu vois. Well, the next time you're at a bar and la prochaine fois, tu seras dans un bar. Ok, d'accord. You've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Ok. Il est où le panache de fumée là? Ouais, jure, j'ai perdu le truc de fumée. J'ai... Ah non! Il est là-bas. Il est là-bas, on va aller voir. Attends. On va aller voir si... S'il y a moyen d'aller voir. Non, Henri, vas-y, descends, Henri, là. Oh, allez, arrête. T'es sérieux, là? Ah tiens, il y a un truc là-bas. Je veux bien que c'est pas Assassin's Creed, mais quand même. Il y a des limites, non? Voilà. La forêt a brûlé. Bah, je crois bien que c'est ça. Hein. Just so you know, I didn't mean to overstep my bounds earlier when you brought up your wife. D'accord. Eh bien, c'est raté, t'as pas le droit de faire ça. You can't just do that, you know? I know. I don't know anything about you or your life. So, tell me about her, if you want. Oh, mais attends, tu veux que je te parle d'elle? On va dire elle est prof à l'université. Oui, parce que rappelons que Julia a pété un plomb. Elle a un peu... Elle a déboussolé. Elle a des pertes de mémoire. Man, she sounds sexy. She sure was. Where does she teach? Yale. Yale. Yep, the Yale. Shit, Henry. She flew back and forth. I hated it. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? Yes. No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular evil Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Okay. D'accord. Bon bah je suis sur la bonne voie là. C'est par ici. Pourquoi j'ai toujours ma lampe torche d'allumer là? Voilà. J'ai pas besoin de ça. Je vais passer par les petits cours d'eau. Ah! Ah j'ai cru qu'on entendait un avion. En fait c'est la musique. Il est là-bas le truc de fumée. On va aller voir ça. Allez, vas-y, Henri. Go. Moi, je vous dis, je suis sûr que c'est pas les deux filles du début qui ont cassé la ligne téléphonique ou quoi. Il y a une histoire louche là-dedans. Et à cet instant, mon regard va très bien avec la musique. Un regard un peu louche. Un peu mystérieux. Ouais. D'accord. Je me suis perdu. D'accord. Ok, on est retourné au lac. Ça doit être par là. Ça doit être par ici. On va essayer de suivre le chemin. On est presque arrivé. Ok. There was Vernon, whose wife got put away for running cocaine. Becca, who was widowed after her husband, a jockey. Allez, on va dire ça. Trampled by his horse. We didn't break up. Oh, les canettes. Choose to break up. She got sick. Mm-hmm. I'm sorry, Penny. Tiens, prends ça. We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here and it's beautiful and on est presque arrivé. Isn't always something bad. Yeah, sure. Nous sommes presque arrivés. Ça doit être quelque part par ici. J'entends un cours d'eau. Mais je ne vois pas d'eau.
Bah écoute, il y a moyen qu'on descende là ou... Vas-y. Il y a peut-être moyen, on va descendre par là. Je crois que ça commence à bien sentir le roussiche là-dedans. Là. Alors, une caisse. Encore rien à voir là-dedans. Il va y avoir une corne de serre, deux bouquins et trois rouleaux de PQ, tu vas voir. Ah non, je me suis trompé. Des pommes de pin. GG. Ouh, je sens qu'on se rapproche du feu là. Bois luxuriant. Signalez ça. C'est luxuriant par ici. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? On va répondre. Non. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. D'où provient la fumée? D'où provient la fumée? Bah écoute, la fumée là, j'ai envie de dire que je suis en plein dedans là, non? Hein? What does she have? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. La maladie d'Alzheimer, oui, bah oui. C'est Julia qui a la maladie d'Alzheimer. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? C'était effrayant. We were scared shitless. And the first time she really started to slip, we just made dinner and acted like it didn't happen. Eventually, it was impossible to ignore. Choule. And attends, choule. We saw all the doctors and all of that. They diagnosed her and je suis parti par là. Very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. D'accord. En fait, je suis en plein dans la zone où c'est censé avoir le feu de camp. Où il est censé avoir le feu de camp. Donc le feu de camp, je suis en plein milieu. Le feu de camp, il est quelque part par là. Faut juste que je trouve. On va signaler la cascade. Vu que ces filles adorent se baigner à poil, machin, ouais, ils doivent être par là. Ouais, je pense qu'on se rapproche. Ça commence à sentir la saucisse grillée. Les petites brochettes de dinde et tout et tout. Je pense que le feu n'est pas loin. À mon avis. Si Henri voudrait bien se donner la peine des fois de monter des petites pentes comme ça, là. Disons que ça nous arrangerait bien. Mais non. Il veut pas se donner la peine. D'accord. En fait, je pense que dès qu'on rentre dans la zone. Dans la zone où il y a le feu. On voit plus l'espèce de panache qui vole en l'air. Tu vois. Faut qu'on se démerde pour chercher le feu de camp. Comment que ça met bien dans l'ambiance la petite musique et tout. Franchement, graphiquement, il est magnifique ce jeu. Hein. Même au niveau ambiance et tout. Franchement, il est bien. Eh, il y a peut-être moyen de monter, non? Même pas. Il n'y a pas moyen de monter, quoi. Oh, t'es sérieux? Oh, je l'ai trouvé. Yes. Je vous avais dit qu'on était pas loin. Je vous avais dit que ça sentait la saucisse grillée. Allez. Signalez le feu de camp. Coca pour fêter ça. Seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Dur métier, ouais. Donc du coup, va falloir qu'on retrouve les deux filles et qu'on les retrouve sans se faire repérer. Mais, eh ouais, parce qu'il y a un mais. Qui te dit que c'est eux qui ont pété les lignes téléphoniques, qu'on fait un feu de camp ici Pas forcément. Signaler drap volé. Ah, c'est ces draps, ok, d'accord. Ce sont nos draps. Ok, très bien. Zone ado. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? Ok. It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Mm-hmm. En tout cas, ça picole sévère. Ça picole sévère. Sac de couchage. So maybe I should take one of their sleeping bags as payback. C'est quoi ça? Fais voir ça. Mmh, très bien, très bien. Dear Psycho,
Cher psycho, I hope you are fucking happy we are living at... Ok, d'accord. En gros, le message, il est en train de se dire qu'il se fout bien de ma gueule, quoi. Donc, signalez le message des ados en colère. Girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Bah, ça dit, elles veulent appeler la police parce qu'elles croient que je les ai agressées. C'est juste, c'est un mot d'excuse pour le dérangement. Hello? Ah non, oui, elles veulent appeler la police, je pense. Honestly, j'ai pas eu le temps, putain. J'ai pas eu le temps. Probably the best case scenario for us, and now we can just get back to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Ok. Oh yes! Jour 3! C'est plutôt cool ça. Trouver des planches en bas pour boucher la fenêtre, ok. Bon, ok, d'accord, ils sont en train de parler de fringues, de boutique, super, GG. Maintenant parle-moi de ton visage, je te regarde dans le bar, qu'est-ce que je vois? Ah oui, il faut aller chercher les planches, c'est vrai. On va chercher les planches. Oh merde. Just perfect. I want to know about your eyes. Comment sont tes yeux? I'm drawing you. I need to know. Elle veut tout savoir, elle. Is that okay? Elle veut tout savoir. Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Froid, heureux, fatigué. On va dire froid. They're steely. J'ai un regard dur comme l'acier. Oh yes, les planches. Like donne-moi ça. J'en ai encore des planches là. Donne-moi ça. Absolutely. Ok. C'est bon. Colmater la fenêtre cassée. Ouais, ben laisse-moi juste ramasser les planches. Et on va bien colmater ça bien comme il faut. Oh, une vanne. Ok, d'accord. Bon, c'est, il y avait un petit peu d'eau. Voilà. Je pense que nous avons toutes les planches. Oui. C'est ça, hein. Ok. Allez, on va aller colmater la fenêtre. Elle est où, la fenêtre cassée? Elle est là. Ah ouais. Les salopards. Moi, je pense que c'est pas les filles qui m'ont cambriolé mon truc, là. Je, là, t'es concentré sur Firewatch, je crois. Bah ouais. Tranquille. Tranquille, tranquille. Je répare ma petite fenêtre. Tu vois bien? Là. Yes. Impeccable. So, what should I do now? What's next? Ouais, je fais quoi maintenant? What do you think is next? À ton avis, c'est quoi la suite où elle a retrouvé les deux filles? What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh. T'es sérieuse? Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Bah vas-y, je suis prêt à travailler, tu rigoles? Okay. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Ok, bien sûr. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. Mm-hmm. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Ok. Ouah, déjà. Je suis passé du jour 3 au jour 9. Normal. J'ai rien vu. Ouais, petit gâteau, tout. Tranquille. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Wouh. Ouais, on va dire que oui. Ouais, super. Ouais, super. Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. Ok, d'accord. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then d'accord. Probably the last person to have seen them. Je veux bien qu'on m'interroge. Je n'ai rien fait de mal. C'est sûrement une coïncidence. On va dire que c'est sûrement une coïncidence. How many pairs of girls go backpacking? Probably. Bah oui. Hein. Yeah, probably a lot. So, I guess you didn't get their names then? Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? D'accord. Ouais, oublie. Yeah, don't. Yeah, that's what I was thinking. All right, Henry, thanks.
enjoy the sunset. Ça marche, profite bien du coucher du soleil. C'est vrai qu'en même temps, il est magnifique. Jour 15! Oh, ça va carrément trop vite, là. Henry. Henry, wake up. Yes. Ok. Bon, bah, on avance plutôt bien. Get out of bed and pick up the radio. Sors de ton lit et décroche la radio. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Hey, you big dumb idiot. Salut, mon gros poussin. Bonjour, hi, Julia. Jules. Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Ouais. Tout va bien ici, je vais bien et toi? Il s'est passé quelque chose d'étrange. Je vais bien et toi? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Ok. Okay, Jules. Delilah seems nice. Mm-hmm. Sure. Bye, baby. Au revoir. Salut. Jour 33. Alors les jours dans Firewatch, ils passent comme ça, quoi. Normal. D'accord. Ok. Donc du coup il m'a dit marcher vers le nord pour récupérer des provisions. C'est trop difficile de monter le ravitaillement. Ok, d'accord. Faut que j'aille là. Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there and ok. I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's like really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. D'accord, d'accord.